Nous allons maintenant passer à la période de questions. La parole à la chef de l'opposition officielle. Bonjour, Monsieur le Président. Quelle première semaine ce fut. On est rendu au jeudi, la fin de cette semaine parlementaire, et le gouvernement n'a toujours pas déposé son projet de loi pour rétablir les terres de la ceinture de verdure. Ils ont de fait de belles annonces, mais cela se résume à « faites-nous confiance », parce qu'on ne voit rien en ce moment. On aurait pu le faire. On a tenté même de le faire de ce côté-ci. Donc, au premier ministre, qu'est-ce qu'on attend? Au ministre des Affaires municipales et du Logement, comme je l'ai dit plus tôt, on va déposer un projet de loi bientôt, non seulement qui va protéger d'inverser les décisions concernant les terres qui avaient été retirées, on va garantir les délimitations de la ceinture de verdure avec les 94 000 acres qu'on va ajouter. Donc, on va garantir ces délimitations par le biais d'une loi et d'empêcher qu'un gouvernement puisse changer ces délimitations par le biais d'un règlement. Et on va déposer le projet de loi très bientôt. Complémentaire. On est en train de remettre à plus tard encore cette prise de décision. En 2018, le premier ministre, on l'a vu sur une vidéo, avec une entente en coulisses à des promoteurs immobiliers qu'il allait retirer les terres de la ceinture de verdure. Et ensuite, il est revenu sur sa décision. Et maintenant, on sait que avant l'élection de 2022, les membres du personnel du Parti progressiste conservateur parlaient de retirer les terres de la ceinture de verdure. Ils savaient que ce serait impopulaire. Et donc, ils ont dépensé beaucoup d'argent des contribuables sur les avocats pour cacher leur lettre de mandat. Le premier ministre savait ce qu'il cachait. Pourquoi est-ce que le premier ministre a fait en sorte que ce soit un secret, ce plan pour retirer les terres de la ceinture de verdure? Ministre des Affaires municipales, on a fait campagne durant la dernière élection pour bâtir plus de logements, pour faire en sorte que l'économie soit plus forte en créant des emplois, et c'est ce qu'on a fait. Et en même temps, c'est tout à fait vrai qu'on avait mis en place une politique pour bâtir plus de maisons et de retirer des terres de la ceinture de verdure. Et on a admis que c'était une erreur, que la population n'appuyait pas cette proposition. C'est pour cette raison qu'on a rétabli les terres à la ceinture de verdure. Mais par contre, on ne détournera pas le regard envers notre mission de bâtir 1,5 million de maisons. On va travailler avec nos partenaires pour s'assurer que ces 1,5 million de maisons seront bâties et on va travailler avec nos partenaires. Et en dépit du fait que les députés d'en face nous disent que leurs communautés ont déjà fait leur part, mais toutes les communautés, on va leur demander de faire leur part pour qu'ils puissent bâtir 1,5 million de maisons pour que les gens puissent se trouver un chez-soi. Dernière complémentaire, je vais retenter l'exercice. Encore une fois, au premier ministre, ce n'était pas seulement les lettres de mandat qu'ils ont tenté de cacher. Le gouvernement a forcé des fonctionnaires non politique de signer des ententes de non-divulgation concernant la ceinture de verdure. Ils ont décrit des étapes spéciales, telles que de ne pas utiliser des courriels, mais plutôt Teams pour partager des documents. Encore une fois, au premier ministre, pourquoi est-ce que le premier ministre a fait toutes sortes de changements pour tenter de cacher sa politique du gouvernement? Au premier ministre, merci pour la question. Je pense que j'ai été très clair par le passé. Désolé, je ne sais pas comment l'éteindre. J'ai été très clair. J'ai admis que ce fut une erreur. Je me suis excusé. On va de l'avant. Et comme le ministre l'a mentionné, ça ne nous empêchera pas de bâtir les maisons qu'on a besoin de bâtir. On va le faire dans chacune de vos circonscriptions pour les gens qui ont voté pour vous. On va bâtir des maisons pour les nouveaux arrivants qui veulent s'établir ici, avoir une meilleure vie pour eux. Les jeunes qui ne peuvent pas acheter en ce moment, et si cela vous revenait, ils n'auraient pas de maison. Ils n'auraient pas de maison non plus avec les politiques des libéraux ou des néo-démocrates parce que vous ne croyez pas en bâtir
qu'on doit construire des autoroutes, l'infrastructure, des foyers de soins de longue durée? Vous dites non tout le temps. Nous, on va continuer avec notre mandat, et qui est de bâtir plus de maisons, plus une meilleure infrastructure et de créer une meilleure économie. Je vais rappeler à tous les députés de passer par l'entremise du président. La prochaine question est chef de l'opposition officielle. Hier, j'ai posé une question au premier ministre concernant l'utilisation de son téléphone personnel, mais parlons de courriel. Il semble qu'un mauvais joueur peut entacher les comportements du reste. Le commissaire à l'intégrité a énoncé que les membres du personnel du Parti progressiste conservateur utilisaient leur compte personnel pour communiquer avec les lobbyistes. C'est noir sur blanc. Et que des courriels étaient supprimés quotidiennement. Donc, est-ce que les membres du personnel du bureau du premier ministre ou le premier ministre, est-ce qu'il a supprimé des courriels concernant la ceinture de verdure? Au ministre des Affaires municipales et du Logement, afin de répondre, je voudrais référer la députée au rapport du commissaire à l'intégrité à la page 135. Il a trouvé que les membres du personnel du bureau du premier ministre n'ordonnaient pas cette orientation et qu'il n'avait pas ordonné à M. Amato de retirer cet art de la ceinture de verdure. Et à la page 140, il énonce qu'il accepte la décision de retirer les parcelles de terre de la ceinture de verdure pour s'attaquer à la crise en matière de logement. On a toujours dit qu'il y avait une crise en matière de logement qui a été créée par les libéraux et néo-démocrates alors qu'ils ont créé des obstacles après obstacles pour l'achat d'une maison pour les jeunes. Donc, on a dû tout défaire ces mauvaises politiques. Plan en matière de logement, après plan en matière de logement, ils ont voté contre. Il ne s'agit de rien d'autre que du désir de l'opposition de s'opposer à la construction de toute maison dans la ville et dans la province de l'Ontario. Complémentaire. Soyons très clairs. À la page 67 du rapport de la vérificatrice générale a énoncé que les membres du personnel du premier ministre avaient suivi le pas et avaient utilisé leur compte personnel pour cacher ce qu'ils étaient en train de faire. Ils ont suivi ce que les libéraux ont fait et ont supprimé des courriels concernant la ceinture de verdure lorsque les libéraux l'ont fait. Ils ont contrevenu à la loi et quelqu'un est allé en prison. Donc, encore une fois, au premier ministre, pourquoi est-ce que vos membres du personnel ont supprimé des courriels? Encore une fois, vous devez passer par l'entremise de la présidence ministre. Lorsque les libéraux l'ont fait, la députée et son parti étaient solidaires avec les libéraux et l'ont gardé au pouvoir 1, 2, 3, 4 ans de plus. C'est la même tendance de la part des néo-démocrates à Ottawa lorsqu'il y avait des crises avec SNC-Lavalin. Qui a appuyé les libéraux à Ottawa? C'était les néo-démocrates. Lorsque le premier ministre leur a dit qu'on devait avoir une taxe sur le carbone, ils avaient accepté. J'ai parlé à quelqu'un à Carleton, c'est une personne âgée, et vous savez ce qu'elle m'a dit, qu'elle ne pouvait pas croire le prix des aliments parce que tout ce que je fais me coûte plus que ce soit mon tracteur, mes semences, tout coûte plus. Vous savez qui paie pour toutes les personnes qui achètent leurs aliments à Walmart et dans d'autres épiceries. Nous, eux, ils sont pour tous les règlements qui créent plus d'obstacles. Nous, on est pour le retrait de ces règlements et de ces obstacles. Arrêtez la pendule. Veuillez vous rasseoir. Rappel à l'ordre. À l'ordre. S'il vous plaît, à l'ordre. Redémarrer la pendule. Dernière complémentaire. On sait toujours lorsqu'on arrive près du but, lorsqu'il y a des réponses comme celle-ci qu'on reçoit. Revenons à la page 6 du rapport du commissaire à l'intégrité. Le chef de cabinet du premier ministre choisit chaque
chef de cabinet de chaque ministre. Ils ont donné à Ryan Amato, une personne avec pas d'expérience, un des plus grands dossiers au sein du gouvernement. Et le commissaire à l'intégrité a trouvé qu'il menait un processus chaotique, désinvolte, et qui a créé une occasion pour avancer les intérêts publics les privés de certains promoteurs immobiliers. C'est les mots du commissaire à l'intégrité à la page 6. Au premier ministre, comment est-ce qu'on est censé croire que M. Amato était seul lorsqu'il a changé tout le système, tout le processus, alors qu'il semble que tout cela est entaché par les agissements du premier ministre? Ministre du Logement et des Affaires municipales, si la députée allait passer la page 6, lisait plus loin, elle verrait que le commissaire à l'intégrité a découvert que ce n'étaient pas les membres du personnel du premier ministre qui ordonnaient cette orientation ou ces prises de décision. On a reconnu que cette politique n'était pas appuyée par les Ontariens et le commissaire a suggéré que c'était pour s'attaquer à la crise en matière de logement. On veut que les jeunes puissent acheter une maison. J'ai parlé l'autre jour d'une jeune famille avec leur premier enfant et au lieu de pouvoir lui offrir une maison, et il a un appartement avec une seule chambre fermée. Et ce n'est pas ce qu'on veut donner à la prochaine génération. On peut faire mieux et on va faire mieux au lieu de d'avoir ce sentiment de catastrophe. On essaie de rapporter de l'optimisme. On va retirer les obstacles. On va faire le travail non seulement pour les jeunes Canadiens, mais pour tous les Ontariens qui veulent atteindre ce rêve d'être propriétaire. Prochaine question, député de Parkdale-Rampart. Merci. Ma question est au premier ministre. Hier, les Torontois ont été déçus encore une fois après que le PDG de Metrolinx, Phil Verster, a annoncé que l'Eglinton Crosstown et sa date d'ouverture demeure non définie. Lorsqu'on lui a demandé à savoir quand est-ce que la date d'ouverture serait établie, information que tous les tout Ontarien mérite d'avoir, M. Verster a dit, laissez-nous plus de liberté et plus de marge de manœuvre. Il y a 59 vice-présidents qui ne semblent pas pouvoir faire en sorte qu'on se tienne au règlement inscrit dans l'entente avec les P3. Ministre des Transports, afin de répondre, je sais à quel point c'est important ce projet pour les milliers de nafteurs qui vont dépendre dessus pour se rendre à leur travail. Et il mérite d'avoir plus de certitudes sur ce projet. C'est pour cette raison que le PDG de Metrolinx était là hier et va continuer d'offrir des mises à jour au public pour qu'il puisse avoir cette information. C'est un projet très complexe. Mais on a offert le plus grand plan d'élargissement du réseau de transport en commun en Amérique du Nord. Lorsque on sort des sentiers battus, on a déjà entamé des mises en chantier pour la ligne Ontario. On est presque complété lorsqu'il s'agit de la création des tunnels pour d'autres projets. C'est un projet qui a été un legs des libéraux. On essaie de corriger les erreurs du passé et on ne tirera aucune leçon des députés d'en face. Complémentaire. Les problèmes avec le contrat des P3 ont été signalés il y a 5 ans par la vérificatrice générale. A trouvé que le contrat avait des problèmes dans sa conception et ne répondait pas au seuil de rendement. Au lieu d'offrir plus de certitude, M. Verster avait donné 2,3 millions de dollars. Et cette somme n'avait pas fait en sorte que le projet soit sur la bonne voie. Et la vérificatrice générale a dit que les problèmes identifiés en 2015 s'étaient même empirés. Pourquoi est-ce que les ministres des Transports continuent de défendre M. Verster? Veuillez vous rasseoir.
Je vais arrêter la pendule. Donc, si le député d'Ottawa-Sud et le leader parlementaire du gouvernement veulent avoir une conversation, peut-être qu'il pourrait prendre cette conversation en coulisses. Premier ministre, afin de répondre, merci pour la question. Vous savez que le rapport de la vérificatrice générale, à l'époque, il parlait de l'ancien gouvernement libéral et peut-être que lui pourrait peut-être répondre à votre question. Mais ceci étant dit, tout ce qu'on a hérité de l'ancien gouvernement, il ne bâtissait pas des maisons, des foyers de soins de longue durée, il ne bâtissait pas des hôpitaux, des autoroutes. Donc voilà où nous en sommes. Et c'est tout à fait extraordinaire. À 4 ans et demi, on a eu des financements de la part des municipalités, des gouvernements fédéraux. On a entamé des mises en chantier pour la ligne Ontario, Eglinton-West et le prolongement de la ligne Yonge. Et finalement, à Scarborough, il y a la construction des tunnels. On a doublé la taille du réseau de métro. Et je pense que c'est tout à fait extraordinaire et on va continuer de bâtir des moyens de transport en commun. Prochaine question, député de Burlington. Merci. Ma question est pour le ministre de l'Éducation. Des parents en Ontario savent que les enfants doivent être en salle de classe avec leurs enseignants, d'apprendre les compétences qu'ils ont besoin pour demain. Et on sait à quel point c'est important d'avoir les enfants en classe, d'être entourés par leurs pères, les enseignants, pour appuyer leur bien-être et leurs apprentissages. Et je sais qu'on s'est engagé à ce que les parents puissent recevoir l'éducation ou que leurs enfants puissent recevoir l'éducation pour que les enfants puissent se concentrer sur ce qui est important, d'apprendre les mathématiques, d'apprendre à lire. Est-ce que le ministre peut nous offrir plus une mise à jour concernant tout ce qu'on est en train de faire pour assurer que les élèves puissent apprendre en classe? Réponse. Je voudrais remercier la députée de Burlington et toute notre équipe parce qu'on a fait une entente qui fera en sorte que les élèves resteront en classe. C'est extraordinaire. C'est tout à fait une nouvelle extraordinaire pour les enfants. Il y a 400 000 enfants des écoles secondaires qui auront plus de stabilité. Et ça devrait être ce à quoi on aspire pour tous les enfants dans la province. C'est une entente qui a été ratifiée par 74 % des membres de l'OSSTF, du CEFPO. Et notre message aux autres syndicats est de se présenter à la table de négociation et de conclure une entente pour que les élèves restent en classe. On ne doit pas attendre. On a démontré qu'on va mettre la priorité sur les enfants, on va offrir plus de financement, plus de dotation du personnel. On élève les normes parce qu'on veut que ces enfants puissent atteindre leur plein potentiel. Donc, on va travailler ensemble pour qu'ils restent en classe. Complémentaire. Merci, M. le Président. C'est rassurant pour les parents de rester informés concernant tous les progrès que notre gouvernement accomplit pour assurer que les enfants restent en classe. Nous avons investi dans les priorités qui sont les plus importantes pour les parents, les familles, dans des initiatives pour améliorer les résultats en lecture, en compréhension et en mathématiques. On doit continuer de se concentrer sur cet objectif et grâce au ministre, on accomplit les choses pour nos élèves grâce à nos investissements dans l'éducation des mathématiques et des technologies. Est-ce que le ministre peut nous offrir plus d'informations à savoir comment on va se concentrer sur ces compétences pour qu'ils puissent, les élèves puissent avoir du succès à l'avenir? Réponse, merci encore une fois à la députée de Burlington. C'est la pierre angulaire de notre mandat en tant que gouvernement, c'est de faire en sorte que ces élèves restent en classe. Et grâce à notre plan, une augmentation d'investissement de 100 millions de dollars pour améliorer les résultats en lecture, en mathématiques, de créer un programme scolaire qui se concentre sur les besoins du marché. C'est la première fois en longtemps on voit plus de stabilité avec les résultats de l'OQRF. Et les résultats se sont améliorés pour chaque année scolaire. Le plan fonctionne.
On se déplace dans la bonne direction, mais on doit en faire encore plus. Et la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de faire en sorte que ces élèves puissent rester en classe. Donc, on demande au syndicat de conclure cette entente et d'offrir plus de stabilité pour tous les élèves de la province. Prochaine question, député de Toronto Danforth. Merci au premier ministre. Dans ses lettres de mandat, le premier ministre a ordonné l'ancien ministre du Logement et des Affaires municipales de développer une politique pour des changements avec la ceinture de verdure, avec les changements de terres et de contrats. Après que l'ancien chef de cabinet du premier ministre a dit au commissaire à l'intégrité qu'il y avait des échanges entre le bureau du premier ministre et le ministre des Affaires municipales lorsqu'il s'agit du lettre de mandat, que ce serait un partenaire senior dans cette entente. Le commissaire à l'intégrité n'a pas pu trouver des preuves que cet échange a été respecté avec la ceinture de verdure, ce à quoi on pourrait normalement s'attendre. Est-ce que le premier ministre ou tout membre de son personnel a pris une décision de ne pas avoir cet échange, ce qui comprend le membre du personnel senior du bureau du premier ministre? Lorsqu'il s'agissait de l'entente avec la ceinture de verdure, réponse, le commissaire à l'intégrité a été très clair. Concernant ce qu'on a fait, moi et mon bureau du personnel, ce qu'on va faire, c'est de bâtir plus de logements et les élèves dans la tribune vont se rappeler de ce jour parce que les maisons qu'ils pourront acheter dans 10 à 15 ans feront partie des 1,5 million de maisons qu'on va bâtir pour eux. On va s'assurer que leurs familles puissent acheter une maison, que les jeunes personnes puissent acheter une maison. Les nouveaux arrivants, 800 000 d'entre eux par année, ils ont besoin d'un endroit où vivre. Et c'est notre gouvernement qui est en train de bâtir des maisons pour les enfants là-bas, pas les néo-démocrates, pas les libéraux. Nous sommes en train de bâtir toute l'infrastructure nécessaire aussi. Ils vont prendre le métro qu'on va construire. Réponse, ou complémentaire plutôt, au premier ministre, le commissaire a été très clair et qu'il n'y avait aucun dossier, aucune trace. Le sous-ministre Sean Fraser a aussi dit au commissaire que la pratique habituelle au sein du ministère de recevoir l'orientation de la part du bureau du premier ministre lorsqu'il s'agit des priorités du gouvernement, M. Fraser a dit, et je cite, « De mon expérience, les membres du personnel collaboraient, ils étaient peut-être responsables au... Il relevait du ministère, mais c'était fait au niveau des membres du personnel. Cette prise de décision et cette orientation venaient du bureau du premier ministre. Est-ce que le premier ministre ou tout membre de son personnel a pris une décision pour éviter qu'il y ait des preuves, des traces concernant la décision avec le scandale de la ceinture de verdure? Veuillez vous rasseoir. Ministre des Affaires municipales et du Logement, en fait, ce que le commissaire à l'intégrité a dit, c'est que les membres du personnel du bureau du premier ministre n'offraient pas cette orientation. Il a été très clair dans le rapport que ce n'était pas le cas. On a pris une décision de politique que les Ontariens n'appuyaient pas, n'étaient pas d'accord avec. On a pris cette décision parce qu'on sait qu'on fait face à une crise en matière de logement et on voulait s'attaquer à cette crise. On a pris une mauvaise décision, on inverse la décision et on va se concentrer sur la construction de maisons dans toutes les communautés de l'Ontario. Mais vous savez, ce qui serait cohérent, c'est que ce député et ce parti vont voter contre chaque initiative pour bâtir des maisons dans la province. Le premier ministre a dit qu'ils ont voté contre les métros, les foyers de soins de longue durée, les hôpitaux. Ce député d'en face ne veut rien construire. C'est le député des néo-démocrates qui pose une question concernant la construction de quoi que ce soit. Vous avez voté contre absolument tout. Je vous rappelle de faire vos commentaires par l'entremise de la présidence. Encore une fois, prochaine question, député de Thornhill. Merci. Ma question est pour le président, la présidente du Conseil du Trésor. Je voudrais saisir cette occasion et la féliciter, ainsi que le ministre des Finances concernant les comptes publics qu'on a publiés cette semaine.
C'est très bien d'entendre que notre gouvernement met en œuvre des mesures qui se concentrent sur une stabilité financière dans notre province, alors qu'il y a beaucoup d'incertitudes internationales, des perturbations au niveau des chaînes d'approvisionnement, l'inflation, une augmentation des taux d'intérêt a créé plus de pression sur les familles de l'Ontario. Les familles doivent voir qu'on est en train de mettre en place des initiatives et des investissements pour rendre la vie plus abordable. Est-ce que la présidente du Conseil du Trésor pourrait expliquer ce qu'on est en train de faire pour renforcer notre résilience économique et s'assurer qu'on est prêt pour l'avenir? Présidente du Conseil du Trésor, merci. Et merci à la députée de Thornhill pour sa question. Notre économie demeure très résiliente, mais la province fait face à certaines incertitudes économiques et c'est pour cette raison que c'est tellement important qu'on apporte des investissements prudents, ciblés, pour appuyer les Ontariens. Alors que, comme le ministre des Finances l'a dit hier, notre approche fonctionne. On bâtit des hôpitaux, des écoles, des autoroutes et des moyens de transport en commun. On investit dans de meilleurs services et on réduit les coûts pour les Ontariens. Et on le fait d'une manière prudente, responsable, qui respecte l'argent des contribuables. En fait, on a reçu 6 audits sans réserve de la part de la vérificatrice générale, 6 de suite. C'est un changement tout à fait extraordinaire comparé à la mauvaise gestion des libéraux. Ce que notre gouvernement est en train de faire, c'est d'apporter des investissements ciblés pour appuyer les travailleurs et les familles de l'Ontario tout en établissant une stabilité financière pour les prochaines générations. Complémentaire, député de Thornhill, ma question est au ministre des Finances. C'est tellement positif et encourageant de voir, encore une fois, que notre gouvernement a reçu un audit sans réserve de la part de la vérificatrice générale, contrairement au gouvernement libéral qui avait reçu des audits avec réserve concernant leur compte public. Le ministre des Finances a dit qu'on n'est pas isolé des conditions qui contribuent à l'incertitude économique internationale. C'est pour cette raison qu'on doit démontrer du leadership et démontrer une vision économique qui est forte et un plan qui va aider les familles et les Ontariens tout au long de cette période incertaine. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment notre gouvernement continue de travailler pour tous les Ontariens durant cette période difficile? Réponse, ministre des Finances, afin de répondre, merci à la députée pour sa question très importante. Oui, tout à fait, 14 milliards de dollars d'amélioration de notre déficit, c'est important pour les Ontariens, pour notre santé financière. Statistique Canada a démontré que la population a cru de 151 000 personnes, c'est le plus grand nombre depuis 1971. Lorsqu'on a attiré l'usine de Volkswagen à Saint-Thomas, est-ce que l'opposition a voté oui ou non? Ils ont voté non. Lorsqu'on a bâti le métro à Scarborough et il y a toutes les mises en chantier, est-ce qu'ils ont voté oui ou non? Ils ont voté non. La cercle de feu qui entraînera de la prospérité pour le Nord, est-ce qu'ils ont voté oui ou contre? Pour ou contre? Ils ont voté contre. Nous sommes un gouvernement qui va accomplir les choses et on va continuer de voter pour tous ces projets d'infrastructure. Merci. Prochaine question, député de Nickel Belt. La question est pour le premier ministre. Les infirmières représentées par le syndicat des infirmières ont été en grève pendant plus d'un mois. Après 3 ans, alors qu'ils ont subi les effets de la pandémie, on a limité leur rémunération à 1% avec le projet de loi 124. Ils veulent être respectés. Les infirmières publiques assurent notre sécurité des événements, des incidents tels que des éclosions de l'écolie qui a fait en sorte qu'il y a plusieurs personnes qui sont tombées malades. Est-ce que le premier ministre pourrait se concentrer sur ses infirmières et non pas seulement sur ses amis? Vice-première ministre et ministre de la Santé, absolument, nous nous concentrons sur une amélioration de notre capacité en matière de santé. C'est pour cette raison qu'on a le programme de rester, d'apprendre et de rester en Ontario. Ce que cela représente, c'est que les personnes qui veulent pratiquer et être formées ici dans la province de l'Ontario peuvent le faire avec une gratuité des frais de scolarité. Et ont à travailler dans des communautés moins bien servies. On va continuer de bâtir la capacité au sein du réseau. Oui, absolument.
Les bureaux de santé publique et les infirmières publiques contribuent grandement à notre sécurité et notre santé. C'est pour cette raison que lors de la conférence avec les municipalités de l'Ontario, on a dit qu'on allait continuer d'appuyer et d'investir dans ce système complémentaire. Alors que le gouvernement refuse de démontrer du respect envers ces femmes en grève, notre chef de l'opposition s'est joint à elle sur la ligne de piquetage. Le 22 septembre, les travailleurs de la santé représentés par le SCFP ont dû aussi faire la grève pour avoir une rémunération qui est juste. Ces travailleurs assurent notre sécurité et notre santé, assurent que notre eau est potable. Vous vous rappelez de Walkerton? S'assure que les aliments qu'on mange, qu'on consomme, sont sécuritaires lorsqu'on va au restaurant. On sait que ce gouvernement aime gaspiller son temps et son argent devant les tribunaux, mais est-ce que le gouvernement va démontrer du respect envers ses infirmières et financer les bureaux de santé publique et d'arrêter d'interjeter appel du projet de loi 124? Monsieur le Président, les hommes et les femmes qui travaillent dans la profession d'infirmier partout en Ontario, que ce soit dans des hôpitaux, dans des foyers de soins de longue durée ou dans des soins à domicile ou dans toutes les unités de santé publique, ont été fondamentaux pour protéger les citoyens de l'Ontario à travers la pandémie et au-delà. Nous avons eu la possibilité d'appuyer les unités de santé publique de manière très tangible alors qu'eux, ils appuient nos communautés. Nous allons continuer de faire notre travail et de faire en sorte que, alors que nous construisons et bâtissons la force de travail en Ontario, nous allons avoir des travailleurs dans le secteur de la santé partout en Ontario. Merci. Nouvelle question, député de Guelph. Merci, Monsieur le Président. Question au Premier ministre. Votre scandale de 8 milliards de dollars est maintenant quelque chose qui a fait tomber la confiance envers le gouvernement. Les gens ont des questions concernant les contenu de ce voyage à Las Vegas de massage et de ce monsieur X mystérieux. Alors, comment votre cabinet a pu donner plusieurs milliards de dollars à des élites qui sont déjà riches? Alors, comment ces personnes ont pu avoir accès à des informations réservées pour et qui ont pu profiter? Alors, la meilleure façon, ça serait de donner des réponses aux Ontariens et aux Ontariennes et de faire en sorte que ce scandale ne se produise plus jamais. Donc, il faudrait une enquête indépendante. J'aimerais donc que le Premier ministre nous dise, est-ce qu'il va dire oui à une enquête indépendante publique? Le Premier ministre, pour sa réponse. À mon ami du Parti vert, nous n'avons pas dépensé un cent de l'argent des contribuables et nous avons mis en place la cybersanté, nous avons mis en place tout ce que vous avez mis en place aussi par le passé avec le Parti libéral, etc., comme par exemple cybersanté, comme par exemple l'augmentation des prêts de l'essence. Ce sont des choses pour lesquelles nous sommes encore en train de payer aujourd'hui. Mais, Monsieur le Président, à Guelph, il y a des ressources pour le logement qui sont énormes, qui sont intéressantes. Nous allons continuer de construire des logements pour les étudiants, pour la population. Leur conseil a refusé de construire pour les étudiants. Le Parti vert a voté contre. Et si on passe de Guelph à Kitchener, ils ont évité et voté contre tous les projets de construction. Le chef du Parti vert est contre tout ce que nous faisons. Je rappelle aux députés de faire passer leurs commentaires à travers la présidence, s'il vous plaît. Question complémentaire. Monsieur le Président, c'est exactement pourquoi nous avons besoin d'une enquête publique indépendante pour pouvoir donner des réponses honnêtes à la population de l'Ontario, parce que nous ne les recevons pas dans cette Assemblée. Les personnes de notre province veulent savoir pourquoi le gouvernement a été plus concentré sur les prises de terre de la part de personnes bien connectées, très riches, 8,3 milliards de dollars, plutôt que de construire des logements que les personnes ordinaires peuvent se permettre.
un investissement qui rendrait plus facile la construction pour ces personnes. J'ai présenté des propositions pour éliminer la spéculation du marché de l'immobilier, pour construire des logements qui soient abordables. Et au contraire, ce gouvernement ne se concentre pas sur ceci, mais il se concentre sur le fait de pouvoir enrichir leurs amis. Interruption du président. Je demande au député de Guelph de retirer ses commentaires non parlementaires. Je retire, dit le député, le ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci, Monsieur le Président. Je pense que le député met en lumière, c'est le fait qu'ils n'ont pas réussi de manière spectaculaire à construire quoi que ce soit dans leur communauté. Nous avons vu le niveau le plus bas de construction dans leur communauté. Ils n'ont même pas réussi à construire des logements pour les étudiants et ils n'ont même pas réussi à construire des foyers pour les soins de longue durée. Alors, ne prenez pas de leçons de lui sur comment faire les choses. Le Premier ministre a raison. Quand on va dans la circonscription du député, on ne voit rien qui se fait. Tout ce qui se fait, c'est ce que nous avons construit. Nous avons construit des écoles, des logements pour les étudiants. Nous avons élargi tout cela. Et à chaque fois, dans cette Assemblée, les partis d'en face ont voté contre nos projets. C'est ça ce qu'ils font. Nous, nous faisons le travail pour les Ontariens. Nous allons continuer de le faire. Prochaine question, député de Brampton-West. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre des Affaires rurales et de l'Agriculture. Nous avons à Brampton, un secteur agricole qui continue pour plusieurs milliards de dollars au PIB du Canada et qui nous permet de faire vivre plus de 800 sociétés dans notre province. Les entreprises dans ma circonscription s'attendent à avoir des innovations et des réponses à leurs défis. Le gouvernement doit faire tout ce qu'il peut pour pouvoir améliorer la protection du secteur agroalimentaire et du secteur rural. Est-ce que le gouvernement peut nous expliquer ce qu'il fait pour faire en sorte que le secteur de l'agroalimentaire soit un secteur qui permette de fournir des produits continus et de manière durable? La ministre, pour sa réponse. Merci, Monsieur le Président. Nous avons, dans la ville de Brampton, seulement plus de 300 usines de production alimentaire. La stratégie de l'Ontario que nous avons discutée au sommet est très importante pour notre province et nos actions sont véritablement réalisables parce qu'à travers cette stratégie, nous allons augmenter la production de la nourriture en Ontario de 30 % ici chez nous. Dans notre province, nous allons augmenter la production manufacturière dans le secteur alimentaire de plus de 30 % et cela va se traduire dans une augmentation de 8 % des exports de produits manufacturés en Ontario et de produits transformés. Nous allons mettre en place des programmes qui ont véritablement un grand élan, qui sont importants et qui vont rendre l'Ontario fort et compétitif pour les années à venir. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci à la ministre. Je suis content de savoir que le gouvernement est en train de mettre en place des mesures qui vont permettre à l'Ontario d'être un leader dans le secteur de la boisson et de la nourriture. Nous avons que le secteur agroalimentaire est un secteur qui doit être exposé à des opportunités pour pouvoir s'élargir dans le marché national et international. Nous avons la possibilité de permettre aux producteurs alimentaires de développer de nouveaux marchés, de pouvoir mettre en place de nouvelles stratégies marketing. Est-ce que la ministre peut expliquer quelles sont les actions de ce gouvernement pour pouvoir permettre au secteur agroalimentaire d'arriver sur de nouveaux marchés? La ministre. Monsieur le Président, j'espère que tout le monde dans cette Assemblée est fier du fait que jamais auparavant le secteur agroalimentaire de l'Ontario a eu la confiance vis-à-vis d'un gouvernement pour ce qui est de la protection de leur secteur, mais ils ont aussi confiance vis-à-vis de la direction vers laquelle nous sommes dirigés. Nous avons fait des investissements de plusieurs millions de dollars pour mettre en place des programmes pour le secteur agroalimentaire et les entreprises
entreprises peuvent faire des demandes d'aide. Nous avons aussi un programme de plus de 6 millions de dollars pour pouvoir permettre de faire croître le potentiel de ce marché. Les entreprises peuvent faire des demandes de soutien de 60 000 dollars par entreprise et de nouveaux programmes pour promouvoir autour du monde le fait que l'Ontario est un lieu unique et sûr pour la production d'alimentation sûre, non seulement à Brampton, mais partout dans la province. Nous sommes forts et compétitifs. Merci. Nouvelle question. Député de Toronto Centre. Merci, Monsieur le Président. J.P. Kelly a été accusé de 17 chefs d'accusation, y compris agression et d'autres types de chefs d'accusation. Au lieu de pouvoir le condamner, le juge a été obligé de laisser tomber les chefs d'accusation après 2 ans où il ne s'est rien passé. Une des victimes a dit à la presse, j'étais au-delà de moi-même par rapport à tout ce qui s'est passé dans le système de justice. Est-ce que le Premier ministre va expliquer aux victimes d'agression pourquoi ils ne vont jamais recevoir justice à cause du fait que les tribunaux n'ont pas pu faire leur travail? Le ministre, eh bien, je ne peux pas parler en tant que procureur général, je ne peux pas parler de cette affaire en particulier, mais je vais parler plus en général. Nous avons mis en place des initiatives qu'auparavant on n'avait jamais même pas imaginé. Nous avons mis en place un programme de réponse aux victimes. Nous avons investi dans des procédures pour éliminer la traite humaine. Nous avons pris tout cela très au sérieux et bien sûr, nous sommes en train de travailler avec nos partenaires de justice, les chefs de justice, les juges. Et aujourd'hui, donc, vous allez entendre la collaboration et le travail que nous faisons avec les tribunaux de notre province. Question complémentaire, le député. Merci. La violence entre partenaires intimes est une épidémie en Ontario comme partout au Canada. Les retards des tribunaux sont importants et inexcusables. Il y a eu une tuerie. Il y a quelques édifices à la et la personne qui a commis ce crime a été libérée sur caution. Alors, j'ai posé déjà cette question. Les choses se sont empirées avec votre gouvernement. La violence et les criminels récidivistes sont libres et on leur permet de pouvoir récidiver. Est-ce que le procureur général peut expliquer pourquoi on permet à ces personnes de pouvoir récidiver plutôt que de résoudre les problèmes qu'on a? Le procureur général. Le procureur général, j'aimerais rappeler aux députés d'en face que c'est ce gouvernement et ce Premier ministre qui ont dit nous avons besoin de réformer le système de liberté sous caution. Monsieur le Président, c'était ce procureur général, ce solliciteur général qui sont allés à Ottawa, qui ont rencontré leur contrepartie. Monsieur le Président, je ne vais pas prendre de leçons d'un député qui n'a pas donné le soutien au service de police lorsqu'il y en avait besoin. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Normalement, je ne vais pas faire cela pendant la période de questions, mais nous avons dans la tribune du président un ancien député qui a servi notre Parlement, un représentant Niagara-Ouest, Niagara-Sud. Merci et bienvenue à Team Hudak. Start the clock. Relancer la pendule. Nouvelle question. Député de Haltmore, Norfolk. Merci, Monsieur le Président. Question au Premier ministre, parce que quand je le vois en train de répondre les questions aux médias ici dans l'Assemblée, j'ai l'impression qu'il est très frustré parce qu'il doit savoir que les conditions pour construire 1,5 million de logements n'existent pas dans cette province. Et pourtant, il fait des promesses à cette province qui va avoir plus de gens qui vont arriver. C'est la demande qui dicte le marché. Plus de gens ont
ont plus de demandes et aujourd'hui, on a moins d'abordabilité. Alors, pourquoi il veut assujettir 800 000 nouveaux arrivants à ce qui se passe dans cette province, c'est-à-dire le chaos? Nous avons beaucoup de problèmes. Alors, est-ce que vous pouvez, à travers vous, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous pouvez arrêter de faire de fausses promesses et de pouvoir mettre en place les services nécessaires avant de donner la bienvenue à de nouvelles personnes? Le Premier ministre, vous savez, à la députée de Haldimand-Norfolk, nous sommes en train de construire des maisons. Nous y arrivons. Il n'y a pas de personne qui défend plus que moi ce qu'on fait dans ce gouvernement et le besoin de construire de nouveaux logements. Nous sommes en train de construire non seulement quelques maisons, mais des milliers de maisons. Et j'espère que vous serez là et que vous allez nous appuyer sur les projets de loi pour le logement, et vous serez la bienvenue pour pouvoir couper les nouveaux rubans des milliers de logements que nous construisons, y compris dans votre circonscription, pour que les gens puissent se permettre d'accéder à la propriété, pour que les gens puissent appuyer les membres de leur famille qui ont besoin d'un lieu dans lequel habiter, qui vont travailler chez Volkswagen, qui vont travailler dans votre circonscription. Donc, encore une fois, je pense que la députée a de bonnes intentions. J'en suis convaincue. C'est une députée qui est très gentille, qui est très bien. Mais je vous demande de nous accompagner, de couper les rubans d'immigration avec nous. Merci. S'il vous plaît, faites passer vos commentaires à travers la présidence. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Et oui, à travers vous, je dis au Premier ministre que oui, j'ai de bonnes intentions et je pense que le Premier ministre aussi a de bonnes intentions, mais je ne suis pas sûre qu'il ait les bonnes informations au départ. Alors, dans Haldimand-Norfolk, nous avons vu que les prix moyens ont augmenté. Hier soir, j'ai parler à une famille qui est en train de faire ses bagages parce qu'ils ne voient pas d'espoir dans notre province. Et même les nouveaux arrivants ont découvert que ce n'est pas vrai. Nous ne pouvons pas offrir toutes les opportunités dont le Premier ministre parle. Tous nos commettants savent que la vie est devenue inabordable et ils ne veulent pas savoir à qui la faute. Alors, à travers vous, que fait ce gouvernement pour que la vie pour les familles de l'Ontario soit plus abordable et pour éviter que les gens tombent entre les mailles de plus en plus? Alors, je suis d'accord, nous avons des sociétés qui viennent ici pour construire des logements, pour construire des entreprises. Que faisons-nous? Alors, je ne me souviens pas s'ils ont voté ou pas, mais nous avons mis en place, par exemple, la réduction du coût des vignettes automobiles. Nous avons éliminé les péages sur les autoroutes, sur certaines autoroutes. Nous avons fait réduire le coût de l'essence. Alors, qui tient le gouvernement responsable pour la taxe carbone? Eh bien, nous le faisons parce que pour chaque produit que nous avons dans la province, ça a été touché par les pires impôts qui ont été imposés. Nous avons imposé, il y a eu une taxe carbone qui a été imposée. La nouvelle question, député de Thornhill. Merci, Monsieur le Président. Question pour le nouveau ministre de l'Environnement, de la protection de l'environnement et des parcs. Notre gouvernement doit être engagé pour construire un Ontario fort et prospère. Cet engagement doit inclure le fait que l'Ontario soit leader pour la réduction des gaz à effet de serre et dans l'appui de notre province et de sa biodiversité. Notre gouvernement a manqué quelques opportunités de pouvoir être leader dans le secteur des batteries électriques. L'Ontario héberge de grands minéraux qui sont importants pour l'avenir de notre province. C'est pourquoi notre gouvernement doit continuer d'agir pour faire en sorte que ces minerais soient extraits de manière responsable et sûre. Alors, Monsieur le Président, il y a des gens qui pensent qu'il y ait un échange entre faire croître l'économie et la protection de l'environnement. Ils pensent que si on se concentre sur l'un, on doit sacrifier l'autre. Est-ce que le ministre de l'Environnement
partage cette perspective à somme zéro. La ministre. Merci à la députée de Thornhill pour sa question et merci aux membres de cette assemblée de ce gouvernement pour m'avoir donné confiance. Notre gouvernement a prouvé que nous pouvons avoir une économie solide et un environnement qui est protégé. Nous pouvons développer l'économie, créer des emplois. Nous sommes en train de construire une chaîne d'approvisionnement pour la manufacture, production de batteries électriques et de véhicules électriques et nous pouvons avoir de nouveau Green Deal pour notre économie. Nous, avec ce programme, nous sommes en train de pouvoir créer des emplois bien payés pour les Ontariens et nous sommes en train de réduire les émissions. Ce n'est pas une question de choix environnement ou économie, mais nous pouvons choisir les deux. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et félicitations pour votre nomination à la ministre. Cette réponse sera très bien accueillie par mes commettants, car ils appuient fortement la collaboration quand il s'agit de planifier l'avenir. Malheureusement, il y a des voix qui s'opposent, qui répètent l'argument que selon lequel la protection des ressources ne peut pas être conciliée avec le développement de l'économie. Cette opinion fait en sorte que les gens pensent qu'on ne fait pas beaucoup pour protéger l'environnement, alors que le gouvernement continue de développer des partenariats partout dans la communauté et en Ontario. Il y a beaucoup de potentiel et beaucoup de raisons pour être optimiste. Alors, Monsieur le Président, avant que notre gouvernement ait élu, les entreprises quittaient l'Ontario à cause des coûts élevés de l'énergie et des impôts. Comment notre gouvernement est en train de garantir la prospérité économique de l'Ontario? La ministre. Eh bien, imaginez une famille, Monsieur le Président, qui habite en banlieue avec une voiture. Les deux parents ont un bon emploi et les enfants se sentent en sécurité. Et ils se sentent en sécurité. Et cela terrifie l'opposition parce que l'opposition pense qu'est en train d'essayer de rendre cette vie inabordable. Sous le leadership de ce Premier ministre, les familles bientôt vont pouvoir conduire des véhicules électriques. Peut-être qu'ils vont pouvoir aller se balader dans leur voiture, dans un des nouveaux parcs qu'on aura construit, ou alors se rendre à leur emploi qu'ils viendront d'obtenir grâce à tous les emplois qui auront été créés. Alors, je demande à l'opposition, est-ce qu'ils sont d'accord avec ce futur que nous sommes en train de construire? Nouvelle question, député de Humber River. Merci, Monsieur le Président. Question au Premier ministre. Le gouvernement vite et rapide à prendre le téléphone en main quand il s'agit d'aider leurs amis. Quand il s'agit de donner la priorité à la sécurité des Ontariens et de pouvoir les aider, que fait ce gouvernement? Le ministre. Merci, Monsieur le Président, et merci aux députés d'en face pour sa question. En tant que nouveau ministre responsable pour ces autorités administratives, le bien-être des Ontariens est une grande priorité pour mon ministère et je prends la surveillance et le contrôle électrique de manière très sérieuse. Alors, l'EACA est une organisation qui travaille pour pouvoir améliorer la sécurité. Il représente le contrôle de sécurité et sont importants pour pouvoir améliorer justement la sécurité. Et nous allons continuer de travailler pour faire en sorte qu'on puisse mettre en place des procédures. Donc, toute question supplémentaire devrait être dirigée directement à l'ESA. Merci, Monsieur le Président.
Question pour le Premier ministre. Plusieurs centaines de milliers de travailleurs ont vu des coupures à leur salaire et à leurs avantages sociaux. On demande au Premier ministre d'arrêter d'utiliser des travailleurs anti-briseurs de grève et qui enlèvent la possibilité de négocier aux travailleurs. Et d'ailleurs, on est en après qu'on ait contacté les ministres sur ce sujet, est-ce que le Premier ministre va tenir le ministre du Transport responsable et est-ce qu'il va arrêter d'utiliser des travailleurs anti-briseurs de grève pour éviter que les personnes perdent le pouvoir de négociation? Merci pour la question. Nous continuons de suivre tout. Toutes les règles quand il s'agit de pouvoir faire en sorte de mettre en place les lois, la protection des travailleurs, et nous continuons de pouvoir envoyer les messages aux personnes partout dans la province. Beaucoup des publicités que nous faisons visent à aider les personnes et à les informer concernant les initiatives dans le domaine de la santé et dans le travail qu'on fait dans différents ministères. Donc nous n'allons pas arrêter de faire de la publicité de ce que nous faisons et de ce que nous mettons en place, car il est important que les Ontariens soient au courant des initiatives que nous mettons en place pour eux. Nouvelle question, député de Richmond Hill. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre de la Citoyenneté, du Multiculturalisme. La diversité en Ontario est l'une de nos forces avec des personnes qui viennent de plusieurs horizons et qui représentent notre province. La population de notre province représente véritablement un grand spectre et de grandes expériences qui doivent être respectées et qui sont précieuses, qui doivent être véritablement appréciées. Malheureusement, la discrimination sont des barrières à l'inclusion et à l'acceptation des autres dans notre province. Toute expérience avec la stigmatisation, la discrimination ou même le harcèlement a un impact sur le bien-être et l'identité des personnes. Notre gouvernement doit continuer d'investir dans des stratégies qui encouragent la diversité, l'égalité et l'inclusion sociale. Alors, Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut expliquer comment ce gouvernement est en train de mettre en place des méthodes pour que les communautés en Ontario soient plus inclusives? Le ministre. Merci, Monsieur le Président, et merci à la députée de Richmond Hill pour sa question. Il est sûr que l'Ontario est un leader global pour la célébration de la diversité de personnes de tous horizons, de toutes croyances et de toute ethnicité. Nous savons que la population de l'Ontario reste notre force. Toutefois, comme a mentionné la députée, il y a toujours plus qu'on peut faire pour pouvoir renforcer les communautés qui soient bienveillantes et accueillantes. J'ai pu publier le plan sur la possibilité de bâtir un Ontario plus fort et plus robuste. Nous prenons toute approche possible pour pouvoir permettre aux communautés de pouvoir mettre en place des plans stratégiques avec des investissements de plusieurs millions de dollars de la part de mon ministère seulement pour pouvoir mettre en lumière le travail qui se fait pour apporter le changement et créer les bases pour des actions futures. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. L'inclusion sociale et la sécurité sont fondamentales pour créer une société pleine de cohésion et une économie qui va permettre la croissance de notre province, surtout dans ma circonscription, à Richmond Hill. Nous avons beaucoup de diversité et de personnes de tout horizon qui vivent dans notre communauté. La discrimination, la haine et la violence n'ont pas de place dans notre communauté. C'est pourquoi notre gouvernement doit continuer de mettre en place des actions qui vont combattre la haine et qui vont
protéger les personnes de notre province. Des investissements de la part de notre gouvernement sont importants et ils doivent créer une communauté qui soit véritablement positive et accueillante. Alors, à travers vous, Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut expliquer ce que fait notre gouvernement pour faire en sorte que notre gouvernement soit sûr et qu'il soit un lieu où tout le monde se sente accepté? Le ministre. Merci, Monsieur le Président. La députée a tout à fait raison. La stratégie contre le racisme de l'Ontario est une stratégie qu'on a mise en place avec 14 partenaires ministériels et des dizaines et dizaines d'autres partenaires. Cela inclut le ministre de l'Éducation et le travail qui se fait pour que tous les étudiants puissent avoir du succès dans notre province et poursuivre tous les chemins qu'ils choisissent. Le ministre des Affaires autochtones a fait beaucoup d'investissements pour appuyer les priorités des communautés autochtones et fournir plus d'accès pour les entreprises autochtones et les entrepreneurs autochtones. Le ministre a élargi la stratégie pour éliminer les barrières, améliorer l'accès aux soins de santé et pour tout ce qui est nécessaire pour la population. Et alors, ce sont seulement quelques-unes des initiatives qui ont été soulignées dans le plan stratégique qui est déjà en train de mener au grand changement. Nouvelle question. Député de Scarborough Sud-Ouest, merci. Question pour le Premier ministre. Le Premier ministre a utilisé les immigrants avec une excuse pour justifier ses politiques pour la ceinture de verdure, malgré son groupe d'experts qui a dit qu'on n'avait pas besoin de construire sur des terres protégées. Et d'ailleurs, dans le rapport qu'on a lu, on dit qu'il y a suffisamment de terres pour construire 3 villes déjà sans toucher à la ceinture de verdure. Alors, si le gouvernement véritablement voulait construire des logements abordables, pourquoi ils n'ont pas commencé à construire dans les hectares qui sont déjà disponibles actuellement? Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Nous avons dépensé les dernières années pour pouvoir mettre en place des politiques qui vont résoudre les problèmes qui ont été créés par les gouvernements précédents. Mais je peux vous dire que nous allons continuer de manière très agressive dans chaque secteur de la province pour construire des logements. Nous avons donc des sections. Concernant le voyage des familles qui arrivent ici, moi je sais que même ma famille, quand ils sont arrivés, eh bien on habitait tous dans une seule maison et de là ils ont eu la possibilité d'accéder à d'autres logements. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Et vous savez pourquoi ils sont venus au Canada? Parce qu'au Canada, on avait la possibilité de pouvoir se créer une vie. Et moi, je vais donner à la prochaine génération la même possibilité pour faire en sorte qu'ils puissent eux aussi vivre le rêve qu'on attend. Cela met fin à la période des questions.